UNESCO y también a Husni Abdel Wahed, que es embajador de Palestina en Argentina. Bienvenido. Welcome. Hola. Bienvenido. Hola. Bueno, los dejo en sus manos. Buenas tardes. Para empezar, yo quiero felicitar, agradecer y reconocer a este gran evento y a los organizadores. Luego quiero agradecer este gesto hacia la infancia palestina. Hoy es el Día Universal del Niño. Hace 59 años se aprobó la Declaración Universal del Niño y hace 39 años se aprobó la Convención sobre la Infancia. Y es bueno detenernos un instante, tanto individualmente como colectivamente, para reflexionar qué hemos hecho para los niños. Con tantos niños en situación de calle, con tantos niños que trabajan, con tantos niños que pasan hambre, con tantos niños desprotegidos. La verdad es que le estamos entregando un mundo muy poco deseable. Y si hablamos de la infancia, la verdad es que la infancia palestina es parte de lo que vive de una forma cotidiana el pueblo palestino. Yo quiero recordar una tesis que pregonaba John Foster Dulles y la primera ministra israelí Golda Meir, cuando afirmaban que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Y la verdad es que la lección que nos ha dado una niña como Ahed el Tamimi echa por tierra esta tesis, porque una bofetada de Ahed el Tamimi hizo remecer los cimientos del Estado de Israel. Y los niños, palestinos, al igual que muchos niños a lo largo y ancho del mundo, todos los días nos dan nuevas lecciones, porque lamentablemente nos intentan convencer que todo está perdido, y algunos piensan que todo está perdido. Los niños palestinos nos enseñan que nada está perdido, absolutamente nada está perdido, todo está por verse, todo está por lograrse, todo está por conquistarse. Y la infancia palestina, que lamentablemente, al igual que todos los sectores del pueblo palestino, viven bajo ocupación en una situación anormal. No hay ninguna garantía de que puedan sobrevivir su día. Las cifras publicadas hoy del Club de Prisioneros Palestinos afirma que en los primeros 10 meses de este año, hasta el 30 de octubre pasado, 908 niños palestinos han sido prisioneros, solo en lo que va del año. Sin olvidar, 52 niños asesinados, solamente en lo que va corrido de este año. En las cárceles israelíes hay más de 350 niños encarcelados. No me refiero a los 900 que fueron detenidos este año. 350 que están encarcelados con sentencia, porque la magnanimidad del Estado de Israel ha legislado bajar la edad de los niños que pueden ser sometidos a juicios en tribunales militares. Hasta hace poco, hasta hace menos de 2 años, un niño de 14 años podía ser sometido a juicio frente a tribunales militares. Hace 2 años, la edad fue rebajada a 12 años. Un niño palestino de 12 años puede ser encarcelado, enjuiciado frente a un tribunal militar, sentenciado y cumple la sentencia. Imagínense un niño de 12 años que lance una piedra sin demostrar la intencionalidad de daño de este lanzamiento de piedra. Un niño puede ser enjuiciado y sentenciado hasta a 20 años de cárcel, un niño de 12 años. Pero los encarcelados son más afortunados que aquellos
que son asesinados. Yo quiero ser respetuoso con el tiempo y quiero darle un par de minutos a esta niña que es representante de la infancia palestina, que quiere dirigirse a ustedes y luego haremos un diálogo con... Señoras y señores, a nombre de las niñas y niños palestinos, quiero agradecer este significativo gesto de parte de Claxo de premiar a la infancia palestina. Los niños de Palestina, igual que todos los niños del mundo, tenemos derechos, pero bajo ocupación sufrimos a cada momento las consecuencias de las políticas racistas y represivas de Israel que viola los derechos del niño. Queremos vivir y crecer en un país normal, en paz y tranquilidad. No queremos perder a nuestros amigos, compañeros, padres y hermanos. Amamos la vida y necesitamos salvar a nuestra infancia. Ustedes, los adultos, tienen la responsabilidad y obligación de brindaros un mundo mejor con Palestina libre y soberana. ¡Viva Palestina! ¡Viva la hermandad de los pueblos! Bueno, hoy contamos con el privilegio de tener a un compañero, un combatiente por la libertad, un intelectual diplomático de la talla de Elías Sanbar. La verdad es que hoy quedan muy pocos intelectuales palestinos de la talla de Elías Sanbar, así que para nosotros es un privilegio contar con él. Nos gustaría, Elías, que por favor nos explicaras la situación de las nuevas generaciones palestinas, tanto jóvenes como niños, que viven las consecuencias de la ocupación. Bonsoir. Je comprends l'espagnol, mais je ne peux pas le parler, donc je vais m'adresser à vous en français. Et je crois qu'il y a la traduction qui va passer derrière moi. Le sujet de la jeunesse palestinienne, plus que celui de l'enfance en tant que telle, est un sujet central dans l'histoire, la conscience et le combat palestinien. Il est central pour plusieurs raisons. La première, qui est une raison sociologique, démographique. Aujourd'hui, le peuple palestinien a une majorité écrasante de ses membres qui ont moins de 20 ans. Il y a également une autre donnée. Le peuple palestinien aujourd'hui, et c'est normal, nous pensons toujours Cisjordanie, Jérusalem, Gaza, mais il ne faut pas oublier l'exil. Aujourd'hui, les Palestiniens sont 13 millions. 60% des 13 millions, donc plus de 7 millions de Palestiniens, sont dispersés dans les exils et dans les camps de réfugiés. Et là encore, la question de la jeunesse est fondamentale. Il y a une jeunesse occupée, il y a une jeunesse exilée. Et on ne peut pas aborder le peuple de Palestine sans penser à ces deux composantes. La troisième, qui est un peu historique, les images, heureusement qu'il y a eu les images à un moment, ont montré la jeunesse sur tous les écrans du monde. Vous avez tous vu à un moment ou à un autre des images de l'intifada. Ce que les images n'ont pas montré, c'est que cette intifada, c'est-à-dire ce soulèvement, a commencé pour beaucoup en 1987 dans les territoires occupés,
Mais en réalité, il a été précédé par d'autres intifadas qui ont eu lieu dans les exils dans les années 60, où également des jeunes ont pris les armes et ont annoncé la naissance de la résistance palestinienne. Si je vous dis cela, ce n'est pas simplement pour faire un exposé historique. C'est pour vous dire que tout le temps, la jeunesse en Palestine a eu l'initiative du combat et de la lutte. Ça a toujours été une affaire de jeunes gens. Je me souviens, bien avant qu'il n'y ait le soulèvement en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, je me souviens très bien, parce qu'on a beaucoup circulé dans les bases palestiniennes, les jeunes combattants n'étaient pas plus vieux que ceux que vous avez vus après sur les écrans. Donc la jeunesse est un élément central, c'est elle qui porte le principal fardeau du combat et de la résistance. Elle est admirable parce qu'aujourd'hui, d'une part, on a eu beaucoup de victimes, beaucoup de martyrs dans cette jeunesse. Cette jeunesse a offert des milliers de vies pour sa cause. Mais ce que vous devez savoir également, c'est qu'aujourd'hui, pour la population, c'est hallucinant, on n'y croit pas quand on le voit. La totalité de la population de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem est passée au moins une fois en prison. Il n'y a pas un Palestinien qui n'est pas passé une fois en prison. Ça vous donne une idée de la répression et ça vous donne une idée du poids que cette répression pèse sur la vie quotidienne. La vie quotidienne elle-même est un cauchemar. Elle est un cauchemar à tous les étages, à tous les niveaux, du lever jusqu'au coucher. Vous savez, aujourd'hui, nous avons en Cisjordanie, vous savez que la liberté de circulation est un des droits de l'homme, est un des droits humains. L'homme est libre de circuler et l'homme est né pour pouvoir être libre de circuler. Nous avons rien qu'en Cisjordanie, et vous savez, la Cisjordanie, pour que vous ayez une idée, la Palestine est un petit pays. La Cisjordanie fait 5500 km². C'est-à-dire un rectangle de 55 km par 100. C'est minuscule quand vous pensez aux dimensions de vos beaux pays en Amérique latine. Eh bien, dans ce rectangle de 5500 km², vous avez 845 barrages de l'armée israélienne qui bloque la circulation des gens. Et quand vous êtes jeune, vous êtes beaucoup plus embêté que si vous êtes vieux. Tout le monde est embêté, mais les jeunes particulièrement. Les enfants ne peuvent pas aller aux écoles. Vous avez des villages entiers dans lesquels le mur est passé entre les habitations et les écoles. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 5, 6, 7 ans qui doivent faire 9 kilomètres à pied pour arriver à leur classe et 9 kilomètres à pied pour revenir à la maison. Si vous êtes des enfants à Hébron pour aller vers les classes, vous êtes obligés de passer par des quartiers dans lesquels les colons se sont déjà installés. Et ils subissent, excusez-moi du détail, des jets d'urine et des insultes chaque fois qu'ils passent. Aujourd'hui, nous avons des zones entières où, pour que les enfants puissent arriver à leurs écoles, on a suspendu des filets au-dessus de leur tête pour les protéger un peu. Donc, cette vie quotidienne est terrible. Et ce qu'elle a de plus terrible, c'est qu'elle dit à ces jeunes, vous n'avez pas d'avenir. Vous savez, la plus grande force de la jeunesse, c'est de penser qu'à un moment, sa vie est devant elle. Aujourd'hui, l'occupation, son principal but, est de dire à ces millions de jeunes palestiniens, votre vie n'est pas devant vous. Il n'y a rien devant vous. Il n'y a pas d'avenir. Alors, vous comprenez à ce moment une chose qui nous a fait pleurer. Et je pèse mes mots. Nous avions un très bon ami, un pédopsychiatre, un psychiatre d'enfants,
qui avait installé à Gaza un centre de recherche. Et il avait 40 personnes qui travaillaient avec lui. Cet homme, qui s'appelle Iyad Sarraj, qui est décédé, hélas, récemment d'un cancer, et qui était un très bon ami, Iyad m'a dit, il faut que tu saches une chose. Je fais des entretiens avec les enfants. À un moment donné, 8 enfants sur 10, quand je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand ?» Vous savez comment les enfants disent « aviateur, pompier, cycliste, champion de boxe, champion de foot. » Il m'a dit « Il faut que tu saches que 8 enfants sur 10 m'ont dit « Quand je grandirai, je serai commando suicide. » Est-ce que vous imaginez le dégât, la destruction qui est en train d'être faite dans ces générations qui ne voient comme avenir que la mort, que de se supprimer. Voilà les dégâts réels de l'occupation. Et ces dégâts, vous ne les verrez pas sur les images, ni à la télé, ni dans le cinéma. Ce sont les destructions profondes que les occupations font dans les personnalités et les cœurs des enfants et des hommes et des femmes. Donc nous sommes face à une situation, et le mot n'est pas exagéré, d'une vie de cauchemar. Et cela rend encore plus admirable le combat qui a été mené par cette jeunesse. Je vous ai dit tout cela non pas pour vous décourager, non pas pour vous dire nous avons perdu, au contraire, pour vous dire à quel point cette jeunesse, dans sa résistance, vu toutes ces conditions et encore, je ne vous ai pas tout raconté parce qu'on n'a pas le temps. Pour vous dire combien cette jeunesse est héroïque, il n'y a pas d'autre terme, elle est héroïque, vu tout ce qu'elle supporte et vu tout ce qu'elle fait, tous les défis qu'elle relève et tous les combats qu'elle mène. Et puis cette jeunesse, cette jeunesse a apporté un présent exceptionnel à l'histoire de ce conflit. Elle est héroïque, elle tient tête, elle a une résistance profonde, on ne peut pas la briser, elle est inventive et elle est dans une capacité de vitalité très peu commune. Mais elle a fait également, elle a réussi, je ne sais pas si on peut traduire l'expression, un tour de force. Quel est ce tour de force que cette jeunesse a réussi et qui a changé le visage du conflit? Je suis sûr que quand je vous l'expliquer, vous allez vous dire « Mais tiens, c'est ça !» et qu'on ne l'a pas vu. Parce que c'est une rupture, un changement en profondeur. Vous savez que toutes les guerres, toutes les agressions, toutes les occupations qui ont été menées par Israël ont été menées sous une étiquette, hein, sous une pancarte qui disait « Israël se défend ». Israël est attaqué, Israël se défend. Donc, ce que Israël fait est légitime, parce qu'Israël se défend. C'est été en permanence le thème de toutes les guerres. D'ailleurs, l'armée israélienne, tout le monde dans la presse répète comme des perroquets « Tzahal, Tzahal ». Tzahal veut dire « l'armée de défense d'Israël ». Même l'armée s'appelle armée de défense. Parce que ce qu'il faut, c'est que tout le monde comprenne qu'Israël, même quand il occupe, Israël est juste. Parce qu'Israël, s'il occupe, c'est parce qu'il est obligé d'occuper. Si Israël occupe, c'est parce qu'il est menacé, parce que son existence est menacée. Donc Israël est tout le temps en légitime défense, même quand il commet des crimes de guerre. Parce qu'il est obligé, puisqu'il se défend. Et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement bizarre qui est que sur toute la planète, le seul endroit au monde où les occupés, soi-disant, persécutent l'occupant, c'est la Palestine. En Palestine, il faut que vous sachiez, les occupants sont victimes
Non seulement ils occupent, mais en plus ils sont victimes. Ils ont les deux rôles, de l'occupant et de la victime. Ce qui fait que la victime réelle, le peuple palestinien qui est écrasé, n'apparaît pas comme la victime, mais comme l'agresseur. Et donc, le monde entier, de façon par réflexe, va s'aligner du côté de ceux qui sont agressés, à savoir l'armée de défense d'Israël, qui, elle, agresse, occupe, détruit et massacre. Qu'ont fait les enfants dans cette équation? C'est cela le grand apport, le véritable apport de l'intifada. L'intifada a été un acte merveilleux, dur. Nous avons perdu des enfants et c'est toujours une tragédie de perdre un enfant. Et souvent, la propagande israélienne, qui ressemblait quand même à des propagandes fascistes, disait « Les Palestiniens n'aiment pas leurs enfants, c'est pour ça qu'ils les sacrifient ». Ça a été un slogan permanent. Oui, vous savez, leurs enfants ne comptent pas pour eux. D'ailleurs, comme tous les sous-développés, ils font beaucoup d'enfants. Alors ils en envoient quelques-uns pour leur propagande. Imaginez la dureté et le fascisme de ce type de déclaration. Donc, ces enfants se sont soulevés dès 1987, après une période très dure, puisque vous savez qu'en 1987 a eu le massacre dans deux camps de réfugiés du Liban, les massacres de Sabra et de Shatila, dans lesquels nous avons aujourd'hui, avec les noms, ce n'est pas des estimations, nous avons les noms, nous avons 5600 personnes massacrées ou disparues. Disparues, c'est-à-dire qui ont été emportées dans des camions de l'armée israélienne dont nous n'avons jamais retrouvé la trace. Donc, après ce massacre, le départ du Liban des combattants de la résistance, qui reprennent la mer, encore une fois, éclate l'intifada en Palestine. Vous avez tous suivi ce mouvement. La révolte des pierres, les enfants avec les pierres, l'organisation de la société, parce que les lignes arrières devaient être organisées, l'intendance. On a eu à un moment donné dans l'intifada, et ça personne n'en parle, on a eu un réseau de 30 000 femmes qui organisaient les lignes arrières. Donc ces enfants ont été soutenus par tout leur peuple. Et leur peuple était organisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Avec les cailloux face à des chars, à des blindés, à des jeeps, à des armes de guerre. Un caillou ne peut pas détruire un char. Mais le caillou a cassé l'image. C'est cela qui était extraordinaire. A cassé l'image, a cassé la conviction planétaire que les Israéliens étaient en train de se défendre. Il est très difficile pour n'importe quel être humain qui voit une image ou un enfant à une pierre et face à lui un homme dans un char d'assaut, de se dire le char d'assaut est agressé par le caillou. Les enfants ont rétabli la véritable réalité du rapport de force. Qui est l'agresseur et qui est l'agressé? Et c'est à partir de cette réalité nouvelle que le monde entier a commencé à se dire « Mais tiens, c'est donc une occupation, donc elle est injuste, donc ils ne font pas que se défendre. Ils occupent, ils tuent, ils emprisonnent, ils massacrent. » Cet apport a changé le visage du conflit. Il a été l'apport de la jeunesse. C'est la jeunesse qui l'a apporté. Et je me souviens d'une très belle, très très belle rencontre. Exceptionnellement, c'est une des rares fois où je l'ai vu seul, avec Yasser Arafat. On était seul, chez lui, à Tunis. Et à un moment, il m'a dit une chose très belle. Il m'a dit, tu sais, la terre entière croit que je porte, moi, la cause. Ils n'ont rien compris. C'est ma jeunesse qui me porte. Et c'est elle qui, à chaque fois que je suis dans la difficulté, vient à mon secours et me porte. Voilà, très vite, parce que le temps est court, on pourrait en parler pendant des heures, ce que je voulais vous dire. La place de la jeunesse, son importance, le rôle qu'elle n'a pas cessé de jouer, les sacrifices qu'elle a consentis, et surtout, ce bouleversement profond qu'elle a apporté à la compréhension de ce conflit, à la compréhension de ce combat,
C'est grâce à cette jeunesse que maintenant on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui est l'occupant, qui est l'occupé, qui est-ce qui se défend et qui est-ce qui agresse. Et c'est pour cela que maintenant nous sommes arrivés au deuxième moment, la deuxième étape. Maintenant est venu le moment de la reconnaissance. C'est maintenant qu'il faut que partout, les combats de tous nos amis, de tous nos frères et sœurs solidaires poussent à une reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est dire ces deux parties au conflit sont égales. L'égalité est le cœur de la justice. Nous sommes égaux et nous voulons être traités en termes d'égalité. Une dernière chose, j'ai été extrêmement surpris hier, mais surpris très agréablement et extrêmement ému de vous, de voir la force de votre présence. Et je dois vous dire une chose, et ça n'est pas simplement pour faire un peu plaisir à tous les amis qui sont là. Nous avons tenu grâce à vous. Sachez-le, ça n'est pas juste des slogans. Nous avons tenu grâce à vous. Nous sommes un petit peuple dans un petit pays. Nous avons eu beaucoup d'ennemis. Et si nous avons tenu, c'est parce que vous avez été en permanence à nos côtés. Donc je finirai par vous dire merci à vous et pas simplement merci à notre jeunesse. Merci beaucoup. Je vais vous faire une promesse. La prochaine fois que je viendrai à vos réunions, je parlerai espagnol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar para decirles que mañana hay una jornada durante todo el día que culmina con un concierto de Miguel Ángel Estrella por Palestina en el Centro Cultural San Martín, así que están invitados. Y por otro lado, quiero agradecer profundamente a la magnífica labor que ha realizado Claxo de la mano de Pablo Gentili. Y tengo la plena confianza de que Karina hará un trabajo tan magnífico como el que se hizo. Quiero retribuir este reconocimiento y este abrazo con un abrazo a Pablo Gentili, regalándole un símbolo palestino de resistencia que Yasser Arafat hizo un símbolo universal. Bueno, un fuerte aplauso y así le damos el cierre a este momento, este homenaje. Un abrazo del tamaño del mundo. Un homenaje a...